Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Onyx et ses loisirs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix. Ma toute première vidéo dans mon nouveau logement. Ça me fait vraiment bizarre de vous reprendre ici. Donc, du coup, je vous tourne toujours mes vidéos blabla dans ma chambre. Donc, voilà. Pour ce blabla et pour se retrouver, j'ai décidé de sortir ce projet-ci. Qui est, bah, je l'ai renommé, mais qui est pour moi mon projet sorcière d'Halloween, car il n'y a que des petites sorcières dans ce projet-ci. Et du coup, ça vient de Claude Fast Factory, ce projet-ci. Donc du coup, la dernière fois que je vous avais montré ce projet, j'en étais ici. J'avais fait toute cette partie-là et ici. Et là, pour rattaquer, parce que du coup, je ne l'ai pas encore reprise ce mois-ci, je pense rattaquer par les citrouilles. Ça risque d'être le plus simple, enfin, ça reste le plus simple pour moi, je pense, de rattaquer par les citrouilles et le parterre, que de rattaquer directement par la maison, parce qu'il y a plusieurs changements de couleurs, et du coup, ça pouvait être plus problématique, entre guillemets. Donc voilà pour ça. Donc je m'installe un petit peu. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps maintenant que je vous ai pris en vidéo, en sachant que bon, pour vous, ça vous a pas paru. Voilà, j'avais fait des vidéos d'avance pour pouvoir parer à ça. Je sers bien, je suis désolée, hein. Je me mets en place. Hop. Donc je vous conseille de prendre quelque chose. À faire en même temps. C'est toujours sympa de broder quand quelqu'un brode, fait un blabla broderie ou autre, ou de prendre une petite activité autre que le point de croix, il n'y a pas de souci. Du moment que vous trouvez ce moment sympathique. Du coup, pour l'endroit que je vous ai montré, j'ai sorti ces deux couleurs-là. Donc le vert, ça sera pour le sol, et le orange, c'est si on a un peu de temps pour attaquer la citrouille. Donc après, on verra si je galère pas trop à broder. Hop. Je pense que je vais en sortir. Je vais carrément sortir le ce qu'il faut. Voilà. J'espère que j'ai pas oublié de ciseaux. Non, voilà, c'est bon. J'ai pas oublié de ciseaux. Parce que des fois, ça m'arrive et c'est un peu relou d'oublier des petites choses. Voilà. Donc. Je vais me mettre en place, puis on va pouvoir commencer à blablater. Car depuis le dernier blabla, il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, j'ai des petites choses à vous dire. Donc en espérant que ça soit pas trop brouillon et que ça aille. Je sais pas par où je vais reprendre. Je pense que je vais reprendre par là parce que j'ai pas la bonne feuille. Attendez, j'essayais de me repérer. Donc là. Deux points et on va aller là. Donc pour changer, je suis toujours fatiguée, hein. Comparé à l'autre blabla, je pense que je suis un peu moins fatiguée, mais enfin je sais pas. Je sais pas trop comment je me sens. Là, je suis encore la tête prise par tout ce qui est déménagement et emménagement, même si ça fait maintenant, ça va faire, on est le 20. Quand je vous tourne la vidéo, bah oui, vous avez vu, c'est pas mes habitudes, hein. Je tourne toujours mes vidéos d'habitude à l'avance et voilà, quoi, je les programme, etc. Là, je tourne le vendredi 20 et vous aurez cette vidéo bah, demain. Du coup. Mais bon, c'est pas non plus trop, trop galère, mais bon, voilà quoi. Donc, comme non déménagement, en soi, ça s'est plutôt bien passé, même si ça a été un gros moment de stress, ce déménagement. Je regarde si je suis toujours bon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai eu plusieurs petites galères. Alors, du coup, si on commence depuis. Le début. Parce que, en fait, c'est la première fois que je vis un déménagement comme ça, aussi un peu. Enfin, avec des galères comme ça. Franchement, on les a un peu enchaînées. Donc, on sait pas si c'est des petits. Parce qu'on n'a pas non plus l'habitude de déménager tout le temps. Donc, on sait pas si c'est des micro-galères ou pas. Mais on a bien ressenti que c'était un peu chiant.
Donc, je vous explique tout ça, mais en gros, juste avant, en fait, peut-être 2-3 jours avant mon déménagement, j'ai commencé déjà à avoir un problème physique. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir une sorte de panari. Je pense que c'était un panari, mais je sais pas si ça se voit sur mon doigt. Non, ça se voit plus trop. Mais en fait, j'avais le doigt tout attaqué, qui a gonflé, etc. J'avais été en pharmacie parce que du coup, je déménageais le lendemain. Pendant le week-end, ça m'avait gonflé, enfin, ça avait gonflé, etc. Mince. Hop. Ça avait gonflé, etc. Et du coup, quand j'ai été voir la pharmacienne, je lui ai demandé de quoi tenir pour le déménagement. Et ensuite, voilà, on aurait vu comment ça évoluait. Attendez, je regarde si c'est bien ça. Donc là. Et du coup, j'ai fait le trait, enfin, j'ai fait ce qu'elle m'avait donné. Et du coup, ça a gonflé encore plus. Donc, on a déménagé. Donc, faire des cartons et déménager avec ce doigt qui était infecté, en fait. Clairement, c'était horrible. C'était horrible, c'était hyper chiant. Je me faisais mal tout le temps. Je prenais sur moi parce que voilà, j'avais pas le choix, hein. Fallait être présent et c'est tout. Donc, voilà. Et en fait, le samedi qui a suivi, j'ai montré mon doigt à mon conjoint. Il m'a dit, non, mais là, va falloir que tu ailles voir un médecin. Là, c'est plus possible. Je lui ai dit, c'est vrai, tu penses, mais en plus, bah, bref, je suis. Enfin, comment dire, quand j'ai un truc, je mets longtemps avant d'aller voir le médecin. Malheureusement, c'est pas bien, mais voilà, je mets longtemps. Et il me fait, bah oui, parce que si ça empire, mais ils peuvent t'amputer, etc. Enfin, bref, il m'a raconté des trucs qui m'ont fait peur. Et du coup, j'ai été voir le médecin. J'ai eu un traitement d'antibiotiques, etc. Bref, ça a fini par partir le week-end, 3 jours après, je crois. 3 jours après où ça a un peu pété et après bah, ça a dégonflé tout doucement. Et là, j'ai commencé à peler. Donc tout là, j'ai plus trop de peau, ma peau normale. Je sais pas si vous allez voir. Je suis plus rouge en fait. Tout ce côté-là, je suis plus rouge. Et ensuite, bah, c'est ma peau normale. Mais ouais, du coup, j'ai eu ça pendant mon déménagement. Ensuite, alors du coup, le déménagement en soi, les déménageurs, ils sont venus. Donc ça c'est assez bien. Pour les personnes qui n'ont pas suivi... Alors, je regarde ce que je fasse pas de bêtises. Pour les personnes qui n'ont pas trop suivi ce qui se passait, comment je déménageais, en gros, c'est l'armée qui, quand on est muté, parce que j'ai eu une mutation, et quand on est muté, on peut monter un dossier pour avoir notre déménagement pris en charge par une société qui fait alliance avec l'armée. Et en gros, on paye rien du tout, c'est juste... Voilà, ils font notre déménagement. Par contre, on a une sorte de budget à pas dépasser. Donc voilà. Si on dépasse, on paye la différence en fait. Donc du coup, voilà. Et c'était la première fois que je faisais appel à ça parce que nous, on a toujours déménagé en fait avec tout ce qui était amis, famille, etc. Et on louait un camion et puis on faisait notre déménagement nous-mêmes. On n'avait jamais utilisé de déménageurs et du coup c'était une première fois pour nous et franchement c'était en soi très pratique parce que du coup mon déménagement est tombé le mardi et le mardi mon conjoint travaillait et en semaine bah il y a beaucoup de personnes qui travaillent en fait donc voilà quoi donc j'étais toute seule pour gérer avec les déménageurs donc ils ont fait tout ce qu'il fallait c'était vraiment rapide comme tout. Ils sont arrivés à 7h30 on va dire à 13h30, 14h je crois. Ouais à peu près. J'avais mes meubles dans mon nouveau logement quoi. Donc après j'ai eu 1 heure de trajet entre mon ancien logement et mon nouveau logement. Donc franchement ça a été assez cool à ce niveau-là. Mais très stressant, clairement très stressant. Même le déménageur, enfin le chef des déménageurs, parce qu'ils étaient trois, il y avait un chef entre les trois. Il est venu, il m'a dit on a des choses à mettre, comme la vaisselle, parce qu'il s'occupe de tout ce qui est vaisselle, les mettre en carton, etc. Et vu que je suis tellement pas habituée à utiliser des prestataires comme ça, que je leur ai dit bah non, j'étais tellement stressée du déménagement que j'ai tout mis moi-même en carton. Du coup, ils rigolaient et ils disaient, ok, il n'y a pas de souci, ça, on ne doit pas le faire non plus. Bah non, je l'ai fait. Donc voilà, il y a des choses qu'en gros, ils devaient le faire. Et en fait, je les ai fait parce que j'étais trop stressée, j'avais trop peur que ça se passe pas comme... Enfin voilà, que ça se passe pas aussi bien que je l'aurais voulu, etc. Bref. Donc le déménagement se passe et c'était... Ouais, c'était assez...
voilà, assez prenant. Donc rempli de cartons dans la maison, etc. On a fait en sorte de s'installer au mieux assez rapidement. C'est-à-dire, on a installé. Le principal, en fait, c'était que notre fille soit installée au mieux. Donc moi, vu que j'étais en vacances, parce qu'on a déménagé le mardi, donc le mercredi, j'ai fait tout ce qui était chambre de la petite. Je voulais vraiment que la chambre de la petite, en fait, elle se sente directement chez elle, en fait. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Et en fait, après, bah, c'était tout ce qui était salon. Et après, notre chambre, c'est un peu compliqué parce qu'on manque de rangement. Donc, attendez, il faut que je compte. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ok, ça commence. Ça commence. Hop, donc c'est là. Donc oui, notre principal, en fait, c'était que notre fille soit installée, que la cuisine soit installée aussi. Le salon, en vrai, il n'y a pas grand-chose, mais c'est juste, ouais, notre chambre, nous, elle est un peu, il y a encore plein de cartons partout. Parce qu'on manque de rangement, il faut qu'on achète des meubles. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément évident. Donc on a acheté déjà deux meubles, je crois. Et il en manque encore, je crois, 3-4, je crois, à acheter. Et on peut pas tout acheter en même temps parce que. Bah voilà, ça coûte des sous. Donc on fait petit à petit et je pense qu'on va mettre un bon mois avant de vraiment bien être installé. Donc voilà, ça fait partie un peu de la vie entre guillemets, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai un emménagement aussi chaotique. En fait, c'est vraiment bizarre. On a eu des petites galères aussi parce que par exemple, quand on s'est installé, on n'avait pas d'eau chaude. On avait beau appeler le. Comment on appelle ça? Parce que je vais pas citer le nom de là où je vis, mais en gros les loueurs, non pas les loueurs, les propriétaires, l'entreprise qui loue, enfin qui nous fait louer. Je les ai appelés tous les jours pendant 4 jours, je crois, parce que genre, on n'avait pas d'eau chaude en fait, et ça les inquiétait pas plus que ça, enfin. Ils s'en foutaient un peu. Et limite, ils me disaient de demander aux voisins, pour vous dire. Parce que du coup, on a bougé d'une maison à comment ça s'appelle? Un appartement. Et du coup, c'est vrai que je travaillais pas et que j'ai essayé de trouver un moyen. Mais en gros, dès que je croisais quelqu'un dans le couloir, je leur posais la question, en fait. Et les gens, bah, ils savaient pas, vu que ça fait super longtemps qu'ils sont dans les logements, donc ils savent plus, en fait. Donc, bref, ça nous a assez saoulés, cette histoire. Et en fait, c'était un truc tout bête. En plus, enfin, je me suis sentie trop bête. Parce que du coup, nous, on se lavait. Vous imaginez, on se lavait avec une bouilloire. On faisait chauffer de l'eau à l'ancienne. On faisait chauffer de l'eau bon, à la bouilloire, donc ça va assez rapidement. Et on remplissait des saladiers et voilà, on prenait nos douches comme ça, quoi. Donc franchement, c'était un peu vraiment galère. Et du coup, alors attendez, hop, que je reprenne bien. Et du coup, c'était vraiment chiant, franchement, j'étais à bout. En plus, on avait une petite, enfin, franchement, c'est vraiment relou. Du coup, ils ont fini par faire intervenir des gens, enfin, une entreprise pour tout ce qui est entretien, etc. Au bout de 4 jours, quand même, hein. Ils ont attendu 4 jours avant de nous mettre quelqu'un. Et en fait, les mecs, ils sont arrivés, ils ont dit, vous avez ouvert vos vannes, machin? On a ouvert une vanne. Ils me font, bah, il y en a une deuxième. Je suis, oh la vache. Je fais ça à cause de ça. Et en fait, la deuxième, elle était cachée derrière une sorte de. Comment on appelle ça? De. Sous l'évier, derrière je sais plus quoi. Et en fait, nous, on n'avait pas vu. Et du coup, c'était ça. Et franchement, j'étais dégoûtée. Quand j'ai vu, ils ont fait même pas une minute dans mon logement. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'il fallait et ils sont repartis. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée d'avoir passé 4 jours pour juste une manivelle à tourner, en fait. Ils n'auraient pas pu me l'indiquer au téléphone, non. Ils me l'ont indiqué comme ça. D'ailleurs, ça doit résonner un peu dans la chambre, je suis désolée. Bah, vu qu'il manque des meubles, forcément, ça. Voilà, ça résonne. Je suis désolée pour ça. Mais voilà, il y a eu ça. Il y a eu quoi d'autre? Oui, qu'on a fait l'état des lieux du logement, en fait, qu'on a fait la première visite, en fait, avec les locataires qui étaient dedans. Franchement, on était contents parce que bah, c'était un logement propre, il était assez grand. Voilà, on était contents. Et quand j'ai fait l'état des lieux avec. Alors, excusez-moi.
Désolée, j'ai dû couper parce que j'ai eu une quinte de toux. Bref, je crois que je vais arrêter mon film là parce que je galère. Du coup, on a eu les locataires qui, franchement, c'était propre leur logement et tout. La tapisserie, c'était de la tapisserie, ça allait. Et quand on a fait l'état des lieux, bah, les murs, ils étaient tout avec plein de trous, la peinture était ni faite ni à faire. Et du coup, on a posé, enfin, moi, j'ai posé la question de pourquoi les murs, ils sont comme ça. Parce que quand on a fait la visite, j'ai pas le souvenir que les murs étaient comme ça. Et en fin de compte, c'est là où on loue, en fait, ils ont dit oui. Aux anciens locataires, ils ont dit oui, les murs sont trop abîmés, donc vous devez enlever votre tapisserie et mettre de la peinture. Bah, les locataires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la tapisserie et ils ont mis de la peinture, mais le souci, c'est que la peinture, ils ont fait qu'une couche et ils n'ont pas non plus poncé les murs après parce qu'il y a des morceaux de colle, etc. Enfin bref, ils se sont dit, je suis sûre qu'ils se sont dit, ah, ils nous font chier, on va faire un truc à l'arrache et basta. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, eux, où on loue, quand on a fait l'état des lieux, on leur a dit, bah, les murs, ils sont pas propres du tout là. Et du coup, ça a été signalé, etc. Mais je veux dire, ils ont eu un mois pour faire des travaux dans le logement, pour remettre les murs propres. Et ils se sont peut-être dit, bah, c'est bon, les locataires, c'est bon, les prochains, ils vont prendre ce qu'il y a, et puis c'est tout. Mais du coup, nous, on n'était pas contents sur ça. Enfin, franchement, on était... On s'est dit non mais c'est abusé, puis je commence à discuter avec elle, je lui dis mais les murs ça va pas être possible comme ça. Elle commence à me dire, là ça veut dire que là si on fait rien ça va être à nos frais. Et commence à me dire bah oui, je dis non mais là c'est pas normal, hein, c'est pas possible. Je commençais un peu à m'énerver et c'est là qu'elle me dit oui, bah au pire on pourrait essayer de faire un geste commercial et voir pour vous donner des bons. Je fais d'accord, alors du coup je fais ok, mon conjoint n'était pas présent. Donc je fais ok. Ok, donc ça veut dire que vous nous donnez des bons et c'est à nous de refaire? Bah oui, je veux d'accord, ok, bon bah ok, j'ai laissé courir, on est passé à autre chose. Le soir, quand j'en ai parlé à mon conjoint, ouh, il était pas content du tout. Il a dit non, mais c'est pas possible. Et du coup, il s'est renseigné et en fait, la loi. Alors attendez, j'ai fait une bêtise, voilà. La loi dit bien en gros que le logement doit. Les murs doivent être. Enfin bref, je sais plus, hein. Je sais plus exactement ce que la loi dit, mais en gros les murs doivent être corrects en fait, doivent pas être insalubres, je crois que c'est ça. Et vraiment c'était noté comme ça hein, dans le qu'en gros il y avait tout à refaire entre guillemets dans le logement au niveau des murs, etc. Bref, passons. Mais en gros voilà. Et du coup bah, mon conjoint il a dit ça va pas se passer comme ça, donc en fait il leur a envoyé le texte de loi, il leur a envoyé un mail bien écrit, bien quoi. Et du coup ils ont fini par dire que c'est eux qui allaient payer une entreprise qui allait venir pour faire les travaux. Du coup alors une galère en plus. C'est que pendant, là on est le 20, donc là cette semaine, toute la semaine, il y a eu une personne qui est venue faire les murs chez nous. Donc ça veut dire qu'on a dû, tout ce qu'on avait installé, on a dû désinstaller. Alors attendez, je regarde que je fasse pas de bêtises. 4, 4 c'est bon. Donc là je remonte. Et on a dû vérifier que, enfin, qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, on a dû désinstaller ce qu'on avait installé, donc recentrer tous nos meubles au centre des pièces. Franchement, c'était la misère. Et ils vivent dans le bazar, franchement, c'est horrible. J'avais jamais vécu. Je suis quelqu'un de bordélique, clairement. Voilà, je suis bordélique, mais à ce point-là, c'était un peu compliqué. Clairement, au niveau de la gestion, surtout quand on travaille, quand on doit gérer la petite, etc. Enfin, bref, c'était pas ouf, mais bon. Après, c'était pour avoir aussi quand même des murs propres et que ça fasse propre quand on est chez nous. Donc, c'était pas un mal pour un. Non, c'était pas un mal pour un bien. Non, c'était pas un mal pour un bien? Oh, je sais plus comment on dit. Bref. Je suis fatiguée, il est 20h30. Non, 21h30. Donc, si je pars dans tous les sens, je suis désolée pour ça. Encore une fois. Du coup, que je regarde. Oui, c'est bien ça. Du coup voilà, donc en fait il y a eu ça en plus à rajouter sur le fait du déménagement. Puis aussi on a eu un problème de machine, c'est-à-dire que l'eau
comment dire, les raccords pour brancher la machine à laver sur le raccord d'eau ne fonctionnent pas. Donc, depuis qu'on est là, ça fait 3 semaines, à peu près un peu moins de 3 semaines, on va faire nos machines au lavomatique, quoi. Donc voilà, quand je vous dis que c'était un peu la galère, c'est la galère. Par exemple, là, avant de vous faire la vidéo, là, j'ai été, juste après que ma petite a été se coucher, j'ai été faire la machine pour tout le monde en fait. Donc, je vous dis que c'est quand même. Ouais, voilà. Ça, plus ça, plus ça, en fait, à un moment donné, c'était un peu. Voilà, c'est un peu chiant. Donc pour la machine, c'est pas encore réglé, mais on espère que lundi, il y a des intervenants qui viennent justement pour ça. Donc on espère qu'ils vont régler la situation et que c'est juste une question de temps. Et que voilà, à un moment donné, j'espère que ça ira. Mais ouais, c'est la première fois qu'on a autant de galères qui s'accumulent en fait comme ça. Donc après, peut-être que pour certaines personnes, c'est rien. Mais c'est vrai que nous, à chaque fois, ça s'est toujours bien passé. Donc c'est vrai que là, on le ressent, quoi, que c'est un peu relou. C'est un peu, ouais, c'est un peu relou. On fait avec, hein, comme on dit, mais bon. Donc voilà. Et du coup, là, actuellement, au niveau de l'emménagement, on a quand même bien emménagé. On a pu. Il y a juste, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a juste notre chambre qui est. Qu'on doit. Comment dire? Qu'on doit bien investir les lieux, on va dire ça comme ça. Attendez, je regarde où je suis. Ok. Non. Non. Attendez. Que je fasse pas de bêtises. Si, c'est ça. Si, c'est ça. J'avais peur de faire une bêtise. Donc, voilà. Voilà. Pour ça. Mais le seul côté positif, c'est que j'ai pu enfin ressortir tous mes livres de mes cartons. Parce qu'en fin de compte, depuis que ma fille, elle est née. Depuis ma fille est née, excusez-moi, ah, excusez-moi, j'ai. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire. Mais du coup, avec tout ça, on est aussi tombé malade. Je vous jure, franchement, c'était vraiment une période de merde, comme on dit. Genre, une semaine, on va dire, une semaine avant de. Qu'est-ce que je veux dire? Une semaine avant de faire les travaux dans le logement. Ma fille, bah, du coup, elle a commencé la crèche et c'est elle qui est tombée malade en première. Et en fin de compte, après, bah, moi, j'ai le week-end qui a suivi enfin, sa semaine, je suis tombée malade. Enfin, je suis tombée malade. J'ai eu des gros symptômes le samedi. Le dimanche, ça a commencé à partir et c'est mon conjoint qui a pris le relais le dimanche. Et du coup, depuis bah, toute cette semaine-là qui vient de se passer. On a commencé, enfin on va un peu mieux, mais on est toujours un peu malade, donc c'est vrai que c'est pas ouf. C'est pas ouf, on les enchaîne en fait. Sans le vouloir, on les enchaîne et voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment pas notre moment. On espère que ça va passer. Du coup, je reviens à ce que je disais avant. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai pu défaire mes livres qui étaient en carton depuis un certain temps maintenant. Je regarde que je fasse pas, voilà. Alors du coup, depuis la naissance de ma fille, donc depuis 2 ans, j'ai fait une sélection de tous mes livres que j'avais. J'ai gardé ceux que j'avais vraiment envie de garder et ceux que je savais que j'allais pas lire tout de suite, que voilà. J'ai fini par les mettre en bac et je les ai stockés dans mon garage en fait, où j'étais avant. Et du coup, là, on a une pièce de plus. Donc avec mon chéri, on a décidé de faire un bureau. Donc lui, il a son côté PC, voilà, PC, bureau PC. Et en fait, nous, on a pu, enfin, moi, j'ai pu réinstaller tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est bibliothèque, en fait. Et franchement, ça m'a fait du bien de tout ressortir. C'est bête, hein, mais ça m'a fait du bien de tout ressortir. J'étais trop contente. Et du coup, pareil pour le colo, j'ai ressorti aussi mes DP. Donc, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Attendez, il faut que je compte. Donc, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
dois vraiment avoir un radar. Hein. Quand je vois que c'est à peu près. Vraiment, j'ai un radar au niveau des yeux. Je suis toujours très très proche du point. Soit je suis pile poil, soit là, il manquait juste un point. Bref. Du coup, ouais, ça m'a fait plaisir parce que du coup, j'ai pu me réinvestir en fait dans un lieu, dans un coin en fait. Donc là, certes, on se partage une pièce. À l'avenir, ça serait d'avoir notre pièce chacun. Même si mon chéri, il aimerait que on soit tous toujours dans la même pièce, clairement. Mais du coup, de ressortir mes livres, de ressortir les DP. Les DP, j'en ai parlé justement avec Mélissa, ça m'a fait. Voilà, de me réinstaller, en fait, on en a parlé, que j'étais trop contente d'avoir pu ressortir tout ça. Et je lui ai même dit qu'en gros, j'avais une envie de reprendre le DP, que ça faisait, je crois, on va dire 4 ans, je crois, même un peu plus de 4 ans que j'ai pas fait de DP. J'ai mon stock hein, de DP, j'ai des DP en cours, j'en ai deux même, que voilà, qui sont toujours là. Même qu'il y en a un qui a pris un peu cher pendant le déménagement, parce que du coup, il y a des diamants qui ont sauté, mais bon, bref, j'ai un peu rectifié le truc enfin, il y a quelques jours. Mais voilà, j'ai une envie de reprendre du DP. Donc là, pour le moment, c'est plus le colo, je vous avouerai. Le colo que j'ai commencé à reprendre un peu. Je vous en parlerai plus dans une vidéo colo, je pense. Je sais pas quand j'en ferai une. Vous verrez bien. Pour les personnes qui aiment bien le colo, restez à l'affût. Mais ouais, ça me fait plaisir de pouvoir réinvestir quelque chose. J'ai une table. Alors c'est notre ancienne table de salle à manger parce qu'on a réinvesti dans une nouvelle table. Donc notre ancienne table qui était un peu trop petite, elle me sert justement de bureau. Et voilà, je suis contente d'avoir un. Voilà, d'avoir un petit coin où je peux faire autre chose que du point de croix, parce que c'est vrai que le point de croix, j'adore, hein, c'est vraiment mon loisir préféré. Mais là, de pouvoir ressortir tout ce qui est livre de colo, etc., je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc voilà, je vais recommencer à couper mon temps au niveau loisir, essayer de voir ce que j'ai le temps de faire ou pas. Mais ouais, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente de ça en tout cas. Donc on est loin d'être installé correctement. Mais voilà, on profite. On profite de tout ce qu'on peut faire. Je vous avouerai que tout ce qui est carton, on doit tout emmener à la déchetterie encore. Donc on a le balcon, il est blindé de carton. Je vous dis pas. Ça va qu'il fait pas encore. De la pluie, etc., et que le carton il ramollisse pas comme ça, mais ouais, on a encore énormément de taf en fait. On a beaucoup de taf encore à faire sur l'emménagement, et voilà quoi. C'est pas fini, c'est pas fini. J'avais oublié que c'était aussi fatigant, du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça va être pas un gros blabla, hein, je pense. Hein. Histoire de vous faire un petit point de mes dernières aventures au niveau du déménagement, en sachant que j'aime pas déménager, clairement, en fait, ça, vraiment, hein, j'aime vraiment pas déménager, je trouve ça relou. Et du coup, voilà quoi. Donc, je peux vous dire aussi comment ça se passe au niveau de mon nouveau boulot, parce qu'en fait, je vous avais dit que je reprenais le 26, je crois, le 26 août. Du coup, comment ça s'est passé? Bah, la première semaine, en fait, ça a été une semaine un peu vraiment tranquille. La compagnie était vide, il n'y avait personne parce qu'en fin de compte, ils étaient encore tous en vacances. Moi, pour des raisons justement de déménagement, je ne pouvais pas reprendre début septembre. Donc, j'ai repris une semaine avant et il n'y avait quasiment personne. Donc, ça m'a vraiment permis de faire comment dire, une arrivée en douceur, en fait. C'est-à-dire que je côtoyais que deux ou trois, voire quatre personnes. Et sinon, après, voilà quoi. J'avais aucun accès nulle part au niveau informatique. Donc, j'ai pas vraiment bossé. Je me suis vraiment plus concentrée sur l'installation. Et voilà. Et du coup, après, j'ai eu ma semaine où j'ai déménagé. Donc, du coup, j'ai pas été au régiment. Et ensuite, j'ai vraiment connu un peu plus de monde. Donc, je vous dis pas tout. Je crois que dans ma compagnie, on est 180.
Donc je vous dis pas tous les noms que je dois retenir. Franchement, ça me perturbe beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de mal à retenir les noms. Si je parle pas aux gens, en fait, j'ai du mal à retenir les noms. Ou il faut qu'ils aient quelque chose dans le boulot pour que je retienne. C'est assez compliqué. Mais bon, ça va venir, hein, ça fait même pas 2 semaines. Du coup, 2 semaines vraiment que. Même pas 1 semaine que j'ai commencé. Donc. Enfin, 1 semaine. Vraiment, avec tout le monde. Que j'ai 1 semaine vraiment de boulot. Donc. Voilà, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais pour le moment, en fait, au tout début, la première semaine, je me disais, est-ce que je vais trouver ma place? Parce qu'en fait, franchement, je me disais, ah ouais, je sais pas en fait si je vais trouver ma place et tout. Et en fait, je suis arrivée dans mon bureau. Il y avait cette fois-ci la première semaine, enfin la deuxième semaine de septembre, du coup. Je suis arrivée, j'avais ma petite collègue qui m'attendait et qui a été super accueillante. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et c'est super agréable en fait de travailler avec une personne qui en fait qui est contente de te voir et qui a qu'une envie, c'est de bosser en fait. De bosser donc et voilà et voilà le contact est très bien passé donc c'était assez cool. Donc à voir maintenant, j'ai pas encore connu mon chef de bureau. Donc à voir mais avec les retours que j'ai pu avoir, franchement apparemment c'est une crème. Ça va bien se passer aussi, donc voilà. Aussi, à peine arrivée, ils me font faire un tir. J'ai été tirée, ça faisait 3 ans que j'avais pas tiré. Donc, attendez, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, j'ai le compas dans l'œil là. C'est cool. C'est cool. Donc, ça, là. Donc ouais, en fait, c'est que quand on est à l'armée, on est noté. Tous les ans, on est noté. Je vais pas vous dire les termes, comment ça s'appelle, parce que ça vous sert à rien. Mais on est noté. Et en fin de compte, on est noté en course à pied, en pompe et en piscine. Et le dernière chose, c'est en tir. Et en fait, on a un exercice de tir à faire pour être validé, en fait. Attendez, je regarde. Et du coup, moi niveau sport, bah, ça fait un petit temps que je me suis un peu relâchée au niveau sport, que j'aimerais d'ailleurs que je vais reprendre là bien attentif, un peu plus assidûment. Surtout qu'en plus, bah, j'ai des nouveaux camarades et ils ont l'air d'être motivés pour me motiver, donc c'est cool, ça me fait plaisir de voir que je peux être soutenue au niveau sport, c'est cool. Mais du coup, au niveau des tirs. En fait, moi, j'ai des exercices que j'ai pas fait, et en fait, faut les faire avant une certaine date. Que je me perds pas. Ouais, faut les faire avant une certaine date, et quand ils ont su ça, en fait, ils m'ont dit ça le lundi, et le mercredi, j'allais tirer en fait. Et ça faisait justement ce que je venais de vous dire. Ça fait 3 ans que j'ai pas tiré, parce que du coup, depuis que j'ai eu ma fille, en fait, avant d'avoir ma fille. Bon, on ne peut plus tirer quand on est enceinte, on ne doit pas être en contact de l'huile d'armement, je crois, parce que ça peut être néfaste. Donc du coup, on ne tire plus quand on est enceinte. Après, quand je suis revenue de congé mat, c'était quoi le souci? C'était qu'en gros, faut se remettre à niveau, donc on est inapte pendant un laps de temps. Et ensuite, vous savez, vous vous souvenez, j'ai eu mes problèmes au poignet. Donc je pouvais pas tirer parce que l'armement ça pèse un poids et du coup mes poignets ils auraient pris trop trop cher entre guillemets. Donc ça a fini que en gros ça a 3 ans sans tirer. Et du coup j'étais un peu stressée. Franchement, je vous avouerai que c'était assez stressant pour moi. Parce que bah du coup c'est quand même une certaine image et bah, j'avais pas envie de perdre la face en fait, clairement. Attendez, je regarde juste si. Ouais, c'est bon. Et j'avais juste pas envie de perdre la face. Je me disais, est-ce que je vais passer pour une quiche? Et en fait, bah, ça a été. Donc l'exercice en soi, c'est. En fait, on nous met en état comment dire? En état de. Je sais pas comment vous dire. En gros, on nous met en. Comment on dit? Comment on appelle ça?
en déficit, je sais pas, je sais plus. En gros, on nous fait faire de l'exercice avant qui nous met dans le rouge. En fait, on est un peu essoufflé, etc. Et en fait, on a un laps de temps, on est à 4 minutes 45, je crois. Et on doit tirer, on doit faire je crois, 100 mètres. On doit faire 100 mètres, ensuite faire des exercices à répétition de 20 et repartir pour 100 mètres. Et on fait ça 4 fois, je crois. Je vous avouerai que je l'avais jamais fait. Et bah, c'est très, très usant. Et j'étais essoufflée et je suis arrivée à la limite. Pour tirer en fait. Il me restait 40 secondes je crois pour tirer. En sachant que quand on tire il faut vraiment se poser. En plus quand on respire fort etc. Enfin quand on est essoufflé on doit essayer de se stabiliser etc. Donc ça m'a j'avais peur de tirer pas dans la cible en fait. Et du coup quand l'exercice est fini on a pu aller voir nos cibles et nos points et j'étais contente parce que mes trois tirs en fait parce qu'on avait trois tirs mes trois tirs étaient dans la cible donc ça franchement j'étais trop contente et je me suis dit ah ouais cool j'ai pas enfin pas perdu c'est pas une question de perdre mais en gros je me suis dit bon c'est cool j'ai au moins validé ça quoi donc voilà donc il me reste encore deux épreuves à faire avant que alors attendez hop avant que voilà, il faut que je les fasse en fait. J'ai encore la course à pied et les pompes en fait à faire. Donc je ferai ça à la fin du mois, je pense. Mais ouais, franchement, premier abord en plus, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas sans jugement. Enfin, après, je sais pas, ça se trouve, ils parlent derrière mon dos, hein. On n'est pas à l'abri de ça. Mais non, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement cool. Donc voilà, franchement, je suis. Pour le moment, je suis contente de où je suis et on verra par la suite si ça continue d'aller. Mais ouais, je suis contente de voir que ça se passe bien et que j'espère un jour prendre mes repères et prendre un peu plus de. Bon après voilà, hein, ça fait pas longtemps que j'y suis, donc il faut que je reste quand même un peu ouverte à ça et comment dire. Que je me laisse le temps en fait. J'ai l'impression que j'ai envie d'aller vite et de retrouver la place que je me suis faite où j'étais avant, mais forcément je ne retrouverai pas tout de suite, enfin pas comme ça. L'autre, bah, ils m'ont toujours connue, etc. Et ici, bah, ils ne me connaissent pas tant que ça. Donc voilà. Voilà, les nouvelles fraîches. Du coup aussi, vu que je vous avais parlé de ma fille la dernière fois. Donc son adaptation, ça se passe très bien à la crèche. Elle a nous fait des petites phases là en ce moment. Ben, après, on s'en étonne pas plus que ça parce que bah on trouve ça un peu normal en fait. Hop. On trouve ça un peu normal parce que du coup, bah, ça doit être perturbant pour elle de tout changer en fait, de passer à une nounou et à un autre logement, à une crèche à une crèche et à une nouvelle et un autre logement quoi, ça doit être perturbant pour elle. Même si franchement elle nous l'a pas trop montré au début, mais c'est vrai que là on a le contre-coup. Elle a été malade déjà, ça a pas aidé. Et ensuite elle a des phases où elle pleure beaucoup. Alors soit ça fait partie de l'âge hein, tout simplement, où elle fait des crises, mais elle pleure beaucoup beaucoup et des fois en fait on est démunis quoi, on sait pas quoi faire. Franchement c'est pas que c'est relou, mais des fois, franchement, elle se contrarie, mais vraiment d'un rien. Et quand j'entendais des histoires de juste pour une couleur d'assiette, par exemple, un enfant pouvait partir en vrille, bah là, c'est le cas, c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment fou de voir qu'il suffit de peu, quoi. Donc maintenant, quand je suis avec elle, j'essaye vraiment de mettre des formes. De réfléchir comme elle pourrait prendre la chose, d'amener, en fait, vraiment de la prendre avec des pincettes pour justement essayer le moins de crises possible. C'est vraiment drôle, franchement. Moi, des fois, je suis fatiguée. En ce moment, c'est vraiment, elle veut tout le temps être dans mes bras. Là, elle est en mode rejet de son père. Elle le rejette tout le temps. Elle veut tout le temps que ça soit moi. Il y a quelques mois de ça, c'était l'inverse, hein. C'était moi qui rejetais et jamais moi et toujours papa. Là, c'est l'inverse, c'est mon chéri, quand il me dit ah ouais, ça fait ça, je sais pas, oui, t'as vu, ça fait mal, hein. Ça fait mal hein, quand elle dit non, pas toi, papa. Ben là, c'est non, pas toi, maman. Bref. Donc là, elle voudrait que maman fasse tout. Donc, c'est vrai que, bon, après,
C'est comme ça, c'est une façade, c'est juste un stade et puis elle va repasser à autre chose et puis ça va redevenir papa, je pense, et puis voilà, ça va faire que ça, mais donc voilà, mais du coup elle a une phase où je sais plus quand elle nous a fait ça, je crois quand elle était malade, ouais quand elle était malade, je crois à partir de minuit jusqu'à 3 h du matin, elle a fait que de pleurer, elle faisait que de se réveiller, donc moi j'y allais tout le temps, après je disais à mon chéri d'y aller, donc du coup il y allait, donc on se faisait un peu à tour de rôle et à un moment donné elle a repleuré une dernière fois, je crois. Et je lui ai dit, tu veux pas qu'on la prenne avec nous dans le lit? On l'avait jamais fait ça. Franchement, c'est vraiment qu'on était désespérés. Et il m'a dit, ouais, car on la prend dans le lit parce que là, on va pas dormir, on travaillait le lendemain. On n'avait pas encore de symptômes de maladie, on n'était pas encore malade, nous, à ce moment-là. Mais du coup, voilà. Donc, on a fini par faire ça. Et il y a des jours où elle dort toute sa nuit. Et il y a des jours où, quand elle se réveille au moins 3 fois par nuit, on finit par la prendre avec nous en fonction de l'heure qu'il est. S'il est 3 h du matin et qu'on voit qu'elle continue toujours à pleurer comme ça, on finit par la prendre avec nous. Parce que je pense que c'est peut-être aussi le fait de l'environnement qui a changé. Elle a besoin de contact, de pas se sentir seule en fait dans son environnement en fait. Donc voilà, on fait ça comme ça et on verra si ça passe. Mais c'est vrai que ma pauvre petite louloute, je pense qu'elle nous, entre guillemets, elle nous montre que, enfin, franchement, je trouve qu'elle est, entre guillemets, courageuse. Après, voilà, elle réagit super bien au déménagement, sa chambre, bah, elle sait que c'est sa chambre, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'elle le, comment dire, elle le, je sais pas comment expliquer, elle le transmet d'une autre manière. Ouais, je dirais ça. Elle est obligée de décharger en fait d'une certaine manière et elle décharge avec les crises un peu plus répétitives. Le fait aussi qu'elle veut plus marcher, elle veut tout le temps être dans mes bras. Je suis obligée de la prendre tout le temps dans mes bras. Donc il y a des périodes, enfin il y a des moments où j'essaye de pas entre guillemets céder. C'est pas céder, mais j'essaye de lui faire comprendre que ce serait bien qu'elle marche, etc. Parce que des fois, bah, je rentre du boulot, j'ai mon sac aussi. Donc je suis en train de prendre ma petite plus mon sac. Donc en plus elle commence à être un peu lourde, hein, et je crois qu'elle est à 13, entre 13 et 15 kilos, donc voilà quoi. Quand tu dois faire des... Parce qu'en même temps en plus on habite dans un appartement, donc on doit se garer dans un garage qui est un peu pas à côté du logement, enfin il n'est pas juste en bas du logement, il faut un peu marcher pour aller jusqu'à notre logement. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est pareil pour les courses, quand les courses sont... Je sais même pas si je suis dans le cadre, mais bref, c'est pareil pour les courses, on est obligé comment dire, si elle veut pas marcher en fait, si elle veut pas marcher, je suis obligée de la déposer en premier et ensuite, en fonction de l'horaire, parce que généralement je fais toujours, enfin, je commence à prendre mes petites habitudes, le vendredi midi, en fait, quand je sors du boulot, je fais une commande drive et en fait, on va chercher les courses. Et du coup, le temps de faire tout ça, ça fait que quand on arrive, c'est l'heure de la sieste pour elle. Donc du coup, quand elle ne veut pas, vraiment pas marcher, en fait, bah, je la couche, j'attends un petit peu, histoire de 10-15 minutes. Et quand je vois qu'elle est partie, en fait, dans son sommeil, je vais chercher mes courses. Comme ça, je sais que voilà quoi. Mais c'est toute une organisation qui est chamboulée. Et c'est vrai que le fait que depuis qu'on a déménagé, elle me demande toujours les bras. Voilà, je dois me réadapter en fait. C'est de l'adaptation tout le temps, en permanence. Donc, voilà quoi. Voilà. Les nouvelles de ces derniers temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, au niveau projet aussi, ouais. Je trouve que ça va. J'ai quand même bien avancé sur certains projets. Je suis passé moins de temps sur d'autres, que j'ai quand même touché peut-être 3 heures, 2 heures. Mais je les ai quand même touchés. Même si c'est moins des grosses périodes. Il y en a certains que j'étais obligée de toucher plus longtemps, voilà, parce que quand on aime, on compte pas. Mais voilà, j'ai commencé de nouveaux projets aussi. Un projet qui n'était pas prévu, que je vous en avais pas parlé, mais que je voulais à la base commencer en octobre. Et en fait, bah, je me suis dit, en fait, je vais le commencer tout de suite. Donc voilà, donc les petites croix aussi ça m'a manqué, j'ai pas brodé pendant je sais pas moi combien de temps j'ai pas brodé? Que je me trompe pas, attendez. Hop.
crois que j'ai pas pendant les 2 semaines, hein, les 2 semaines que je vous avais dit du 25 au, c'était combien? Jusqu'au 3. J'ai pas brodé. Je crois que j'ai brodé que le week-end après mon déménagement, je crois. Parce que même les jours qui ont suivi mon déménagement, j'avais pas envie de broder. Il y avait pas, je pouvais pas m'installer comme je voulais. C'était pas fou. C'était vraiment pas fou et du coup voilà quoi. J'étais plus en train de d'installer en fait ma bibliothèque, tout ça, me mettre en. Je suis en train de regarder si je fais pas de bêtises. Non. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je verrai bien quand je mettrai les petites citrouilles si elles rentrent bien dans les emplacements, etc. Mais ouais. Du coup, ouais, niveau broderie, franchement, ça m'a manqué un petit peu. Mais après, j'étais pas au point d'être frustrée. Même il y a même une petite copine de duo qui prenait de mes nouvelles pour savoir si ça allait mon déménagement, que les croix, si ça me manquait pas trop les croix. Ben, bref, c'était trop mignon de leur part. Je vous remercie encore les filles, c'était super sympa de demander si ça allait ou pas. Mais voilà, c'était intense et ça l'est encore un peu parce que ben, il faut qu'on prenne tout doucement notre marque. Je me rappelle les premières fois que je me calais dans le canapé pour broder, parce que d'habitude, en fait, avec mon conjoint, on était dans le salon. Lui, il avait le bureau, le PC dans le salon, et moi, j'étais sur le canapé dans le salon. Et les premiers soirs, en fait, je brodais dans le salon, dans le canapé, quoi. Je voulais pas broder sur une chaise parce que j'ai pas de chaise de bureau, genre, j'ai juste une chaise de salon qui fait que mal au dos, en fait. Donc, je pouvais pas broder à mon bureau, entre guillemets, où j'ai installé mon bureau. Et mon conjoint, il me fait tu veux pas faire du coloriage? Tu veux pas. T'as pas des trucs à faire sur ton bureau? Ou ta broderie, tu veux pas la faire sur ton bureau? Parce qu'en fait, on était tellement habitués d'être tout le temps dans la même pièce. Même si on se parlait pas, on était dans la même pièce. Et ressentir l'énergie de l'autre, ça fait que voilà quoi, il me demandait ça quoi, et je disais non, j'ai envie de broder là ce soir, je suis trop en. Ça fait 2 semaines que j'ai pas brodé, j'étais comme ça, là faut que je me soulage au niveau des croix et tout. Je commence à lui dire ça, il faut que je fasse nombre de croix pour que je me sorte bien là, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de croix. Et il était un peu triste parce que du coup il dit ah, ouais, parce que moi je suis dans la chambre, enfin dans le bureau, on se voit pas. C'était mignon et du coup bah, j'ai fini par aller dans le bureau et c'est là que j'ai bien repris le colo. Je crois un week-end j'ai fait 4, 5, 5 colos je crois. J'ai testé une nouvelle gamme que je vous en parlerai. De toute façon je vous ferai une vidéo haul colo parce que du coup j'ai racheté du matériel que j'avais envie, qui me faisait de l'œil depuis un certain temps et que je me disais bon allez saute le pas, craque et puis tu verras bien. Ce que ça donne, mais du coup voilà, donc voilà, donc j'ai passé une bonne partie du week-end, un des week-ends, je sais plus lequel, être avec lui dans le bureau, et voilà, il était content parce que j'étais là, donc il venait me voir, dès qu'il faisait des petites pauses, il venait me voir, il me faisait des bisous sur le front, voilà, il était trop mignon, parce qu'il était content que je sois avec lui dans le bureau, bref, c'est des petits détails comme ça. Du coup voilà, donc tout ça pour. Je sais même pas où je voulais en venir. Hein. Tout ça pour vous dire que les croix m'ont manqué et que y aura au prochain Flowstube, il y aura quand même des projets j'aurai quand même des projets à vous montrer, mais des moins grosses avancées, on va dire, ce qui paraît normal avec le déménagement qu'il y a eu, puis même la fatigue que j'ai cumulée aussi. Donc voilà. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Hein. Ça a déjà. Ouais, oh oui, c'est déjà un long blabla. Je pensais pas partir pour un blabla comme ça. Je pensais vous prendre vraiment que 30 minutes pour histoire de blablater. Mais je pense que ça m'a fait du bien aussi de parler de tout et de rien. Même si c'est pas de tout et de rien, c'est vraiment les dernières actualités de mon quotidien. Du coup, voilà. Je pense que ça va être tout pour ce soir. Donc voilà, encore une fois, j'ai été trop optimiste. Je pensais que j'allais finir ça et que j'allais commencer la citrouille. Donc vous verrez au prochain Flowstube ce que j'ai pu réaliser sur ce projet-ci. Et voilà, donc je vous remontre un peu l'illustration parce que franchement, elle est juste canon. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc voilà pour ça. Donc je vais vous laisser.
Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.